éducation, trimestre décidé. C'est la rentrée des classes après les vacances de Pâques pour les élèves des écoles primaires publiques. Pour les classes intermédiaires, ce troisième trimestre de l'année scolaire est la dernière ligne droite avant les examens de passage. Pour les candidats aux examens du CEPE, par contre, les révisions et le renforcement des cours s'avèrent être la priorité. D'après les précisions apportées par Marie-Georgette Rintarvoun, directrice de l'EPP à Varadou, 133 élèves sont inscrits pour participer à l'examen officiel qui se déroulera le 15 juillet prochain. Les enseignants ont donc insisté sur un régime alimentaire riche et complet lorsqu'ils se sont adressés aux parents d'élèves. Ils n'ont pas manqué de souligner également que ces élèves, surtout ceux qui vont participer aux épreuves du CEPE, doivent réviser leurs leçons systématiquement.